Salut tout le monde, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est parti pour tester le joueur le plus cher que j'ai packé cette année. Oui, j'ai le droit de flex. Et tout ça après avoir fait mon premier rang 1 cette année. J'ai déjà fait un rang 2 dans le premier foot champ, mais il me le fallait ce rang. Aujourd'hui, ça va partir sur le test de Kvaratskhelia, radioactif en qualif foot champ, en player. Je voulais trop le tester avant que je le pack. Il a le double 5 étoiles, il a des stats de folie. Déjà, juste regardez le boost qu'il a eu depuis sa première carte. Voilà, 84 de vitesse jusqu'à 90, plus 3 de tir et plus 2 dans tout le reste, c'est vraiment pas mal. Et en plus de ça, il a le playstyle Trickster Plus qui va nous aider à humilier l'adversaire. Je vais essayer de marquer des beaux buts avec. Avant de commencer les refs, n'hésitez pas à lâcher votre like et de vous abonner si jamais vous êtes nouveau sur la chaîne. Voilà, je fais rarement de vidéos review là, comme à l'époque, review pure et dure. Mais cette fois, je me suis dit, allez, puisque j'ai Kvara, autant l'essayer. Et je sais pas, peut-être que je vais le garder, peut-être que je vais le revendre. Allez, c'est parti. Première game. Et on va le jouer, je crois, en buteur, les gars. Allez, premier ballon touché de Kvara. Ça fait longtemps que je l'ai pas dit cette phrase. Non, je vais me calmer, les gars, je vais me calmer, mais je veux marquer un beau but. Je sais pas, hein. On va dire que c'est les qualifs. Non, 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 c'est quoi ces contres? C'est pas les qualifs en fait, hein. Faut jouer comme si j'étais en foot champ. Oh, j'aime trop. Et en plus, le playstyle passe longue. Oh là là, ça se voit pas que j'ai fait un rang 1, les gars. Wesh, wesh, Kvara, et il blague pas, hein. C'est après 1000 essais, mais... Non, surtout qu'il a les doubles 5 étoiles, les gars. Je le joue actuellement en buteur et il fait le taf, hein. Mais c'est pas son meilleur poste, je trouve. Oh, il a une belle passe en profondeur, hein. Allez, on va laisser sa passe longue, on va temporiser, et bim. Franchement, c'est pas son profondeur, sans à la hauteur. Merde. Oh, il a toujours la balle. Belle passe en profondeur. Un peu mou, la frappe est molle. Deuxième match, on espère un adversaire un peu plus coriace que le premier. Eto, et Son. Après la mise à jour, les gars, dites adieu à vos Son. Hein. Oh là là, il est passé tellement vite le geste. Très beau but. Allez, ah, c'est un mec qui bouge sans goal, lui, hein, et qui fait des kick-offs. Et qui tire premier poteau. Kvara prend la passe, c'est pas dangereux ça, non, non, non. Parfaite, la passe. C'est pour Kvara. Très agile, hein. Très, très agile même. Là, j'avais raté mon dribble, les gars, mais il a réagi instantanément. Des pas, il aurait jamais fait, hein, je sais. Les gars, je vais maintenant laisser en amossé pour espérer de marquer de loin avec. Et aussi pour l'utiliser en construction, hein, parce que là, en buteur, c'est pas trop son point fort. Avant de continuer, les gars, si vous êtes à la recherche de Crédit FC 24 pour acheter vos joueurs préférés sur le jeu ou même votre équipe pour le foot champ, allez sur le site IG Vault et vous aurez 5% de réduction avec mon code Paris. Tous les liens et informations en description. De retour à la vidéo. Oh, il est seul. Rouge, rouge. Oui, merci à l'arbitre. Allez, coup franc, 26 mètres. Mais Kvara n'a pas trop de stats de coup franc malheureusement. Allez, on va lever la balle et on va tirer avec direct. Mais non, il l'a mise. Il a montré ce qu'il sait faire. Même s'il n'a pas d'énormes stats de volée, il est là. Hein. Oh, il y a toujours la balle. Oui, monsieur. Oh là 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 là. L'humiliation totale de l'adversaire et du gardien. Mais il est choqué, les gars. Il a lâché sa manette, lui. Les gars, on va pas se cacher, c'était sale. Et pour ce but, lâchez un like. Hein. Allez, dribble R1. Croisé. Ça manque de puissance, malheureusement, mais les gars, vraiment, ça m'a manqué de jouer avec des joueurs 5 étoiles de gestes techniques. Hein. Vous savez pas à quel point ça rend la tâche facile, hein, si vous connaissez les gestes, bien sûr. Ouais, niveau vitesse, ça va. 90, allez, passe longue. Elle est passée. Parfait. Centre. Pourquoi j'en fais trop? Oh, oh, oh. Coup franc. Wow, là, il est trop précis, là. 19 mètres, c'est presque 18 mètres. On va le faire tirer toujours, hein. Ouais, besoin de pas se tirer. J'ai fait du n'importe quoi. D'accord.
Je dois me concentrer. Les adversaires savent jouer. Hein. Allez, c'est pour Gvara. Je vais lancer Depay en profondeur. Passe direct, LVY. Et Depay qui va finir tranquillement. Même si c'est pas le joueur qui a les meilleures stats. Parce qu'il rate parfois, comme vous voyez. Mais quand même, c'est un régal de jouer avec. Bon, tout ce que vous avez à faire, c'est lancer un joueur en profondeur avec n'importe quel appel. Voilà, il est parti. Et vous faites une passe lobée en profondeur. Et je viendrai dès l'occasion. Allez, on va essayer son centre. Il y a sa passe lobée en profondeur qui est très très bonne. Ah merde. Ah merde. Voilà les gars, hein. Faut savoir utiliser ses playstyles. Ouais, je parle de celui-là. Ah, il a même le playstyle pour les centres. Et pour l'instant les gars, franchement il est bien. Par que son image dynamique est cassée en 3. Allez, quatrième match. Allez Gvara, bon appel sur l'aile. Ouais, ça passe. Pas mal ce but. Bien construit de la part de Gvara. Oh, bien joué à lui. Il l'a trouvé. Pourquoi il siffle maintenant? Oh, c'est un con. Les gars, Graham, hein. Elle est forte. Bon, avant de passer vers le dernier match, vraiment, sans prix, les gars, il veut pas baisser. Hein. Son taux de drop est limité, vraiment. Je pense que je vais le vendre. Hein. Perso, j'aurais préféré un Neymar à la place de lui, mais le budget me permet pas, malheureusement. J'espère le paquet un jour. Ronny, Neymar, 500k, les gars, pour lui. Je trouve que c'est un peu trop. J'aurais dit 300 000. Mais en fin de compte, c'est EA qui contrôle les prix, donc pas se plaindre. Avant la fin de l'événement, ils vont tout lâcher, il va PC. Oh là là. Un scène. Mais, oh là là, trop faible, Gvara, faut bombarder, là. Voilà, fallait bombarder comme lui, là. Mais si t'as pas le trait, essaye, au moins. J'ai rien à dire. Vas-y, je vais le liquider, c'est bon. Allez, contre-attaque de Gvara. Petit centre de Gvara aussi. Contrôle-moi ça. Pas fou le centre. On va pas se clasher. On va pas dire que du bien sur lui aussi. Hein. Merci Govou. Dernier adversaire les gars. Je vais m'arrêter aussi. Victoire. Je sais pas pourquoi mais j'aime pas continuer dans les qualifs. Gvara, hein. On a bossé pour ce dernier match. En plus il a autre choix là lui. Hein. Attention. C'est mon cauchemar les gars. C'est mon cauchemar sur lui. Incroyable les gars, incroyable, le beau jeu est présent aujourd'hui. C'était beau hein. Je croyais qu'il avait raté sa frappe. Et pour info c'était un timing que j'en ai. Oh là là, il est trop fort. Oh là là, trop de contre. C'est pas possible. J'arrive pas à défendre contre elle les gars. Timing vert, avec le playstyle plus. C'est compliqué à faire, mais ça paye. Incroyable. Fin des matchs, bilan du joueur. 6 matchs joués, 8 buts, 2 passes. Faut que j'essaye encore plus, les gars, dans un gameplay différent que celui-là, parce que c'était pas trop ça, mais quand même, j'ai pu me régaler avec, j'ai pu marquer des beaux buts, et j'ai pu avoir une première idée sur le joueur. Déjà, premier truc, c'est qu'il voit pas vraiment ses 500 microdiens. Malheureusement, il est un peu trop cher pour ce qu'il est. Parce qu'il manque un peu de puissance de frappe, il manque un peu de stats, de passes, langue surtout, mais il fait largement le taf avec ses playstyles comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Vraiment très kiffant à jouer, c'est le plus important. Il a le trait finesse et trivella, ce qui peut aider bien sûr pour tirer de loin. Donc ouais, ses points forts les gars, c'est sûrement la vitesse, le dribble et la passe vient à 3ème position, en n'oubliant pas les doubles 5 étoiles. Ses meilleurs postes, c'est sur l'aile, MOG, MOD, MDMG ou n'importe quel poste sur l'aile. Même en MOC, il peut faire le taf. Maintenant, passons à ses points faibles qui est un peu l'endurance et le physique en général. Et surtout, comme je l'ai dit, la puissance de tir. Pour la passe, je vais pas le considérer comme un point faible parce que il était bon, on va pas se le cacher. Comparé à Hansen, les gars, ils ont presque le même prix. Hein. 500k, mais Hansen est meilleur en tir et en passe, même en dribble. Mais je crois que son prix est justifié par les 5 étoiles de mauvais pied. Est-ce que je vous conseille ou pas? Franchement, là,
ça revient à vous. Si vous avez 500 000 à dépenser sur un joueur, allez-y. Autrement, c'est un peu trop, c'est vrai. Mais est-ce qu'il y a d'autres alternatives? C'est ça la question. Il y a aussi le fait qu'il a plus de deux liens, plus de losanges de liens directement quand il rentre dans l'équipe. Ça, ça fait augmenter un peu son prix. Voilà, voyons les joueurs similaires à lui. Il y a Berardi par exemple qui est très fort et pas cher. Mais il a pas les 5 étoiles et il peut pas faire autant de liens. Attention les gars, si vous avez une série A, n'hésitez pas à laisser lui. Il y a par exemple Dembélé, même chose, double 5 étoiles et qui se vend à 200 000. Ça peut être une belle option pas chère. Il y a aussi Neymar, mais ça manque cruellement de vitesse et de physique. Et il y a aussi Vinicius, mais il a pas le double 5. Franchement, je pense que son prix est plus ou moins justifié hein, en fin de compte. Et actuellement, il fait qu'augmenter. Donc là, ça dépend bien sûr de votre budget. En tout cas, n'hésitez pas à me dire votre avis sur lui en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle. Ciao tout le monde.